How do you strengthen intimacy beyond the sexual, physical connection? A healthy relationship is comprised of physical, emotional, intellectual, and spiritual intimacy. Men have the tendency to focus solely on the physical. No, dipping a cock inside a hole is not enough to feel fully connected with your partner. French men understand this because French women demand it. Comment renforcez-vous l'intimité au-delà d'une connexion sexuelle physique? Une relation saine est composée d'intimité physique, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Les hommes ont tendance à se concentrer uniquement sur le physique. Non, plonger une bite dans un trou ne suffit pas pour se sentir pleinement connecté avec votre partenaire. Les Français l'ont compris parce que les Françaises l'exigent. Here are a few tips to enhance all the types of intimacy. Voici quelques conseils pour améliorer d'autres types d'intimité. Spend a night in a different town once in a while. A new setting inspires new conversations and mutual experiences that lead to intimacy. Passer une nuit dans une ville différente de temps en temps. Un nouveau cadre inspire des nouvelles conversations et des expériences mutuelles qui mènent à l'intimité. Increase your intellectual intimacy by learning together. Learn to complete a home improvement project, take a culinary class or an art class. Share a hobby with your partner. Augmentez votre intimité intellectuelle en apprenant ensemble. Apprenez à réaliser un projet de rénovation domiciliaire, suivez un cours de cuisine ou un cours d'art. Partagez un passe-temps avec votre partenaire. I believe in the distribution of household chores to free up time to spend together after the kids are in bed. Spend some of that free time having deep and meaningful conversations. Our beliefs may evolve or change over time. Share those changes with your partner. Je crois en la répartition des tâches ménagères pour libérer du temps à passer ensemble après que les enfants soient au lit. Passez une partie de ce temps libre à avoir des conversations profondes et significatives. Nos croyances peuvent évoluer ou changer avec le temps. Partagez ces changements avec votre partenaire. Emotional intimacy requires a judgment-free space, a high level of trust and vulnerability. This may take time to build, but once you have achieved it, you will both feel more validated, understood and appreciated by your partner. Scheduling time to remove yourselves from autopilot and disconnect from technology is a wonderful start. L'intimité émotionnelle nécessite un espace sans jugement, un haut niveau de confiance et de vulnérabilité. Cela peut prendre du temps à construire, mais une fois que vous l'aurez atteint, vous vous sentirez tous les deux plus valides, compris et appréciés par votre partenaire. Prévoir du temps pour vous retirer du pilote automatique et vous déconnecter de la technologie est un excellent début. Take turns coming up with deep and engaging questions. Write a question on a piece of paper and give it to your partner at the start of the day. This way, you allow yourselves time throughout the day to really give the question some thought. This could be the perfect days to make reservations and discuss your answers over a nice dinner. Make this a relationship tradition. À tour de rôle, posez des questions profondes et engageantes. Écrivez une question sur une feuille de papier et donnez-la à votre partenaire en début de journée.
De cette façon, vous vous accordez du temps tout au long de la journée pour vraiment réfléchir à la question. Ces journées pourraient être idéales pour faire des réservations et discuter de vos réponses autour d'un bon dîner. Faites-en une tradition relationnelle.